Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Il ne vous faut pas tant que ça des fois pour changer. Rappelez-vous les fois où quelqu'un vous a trahi, vous a poignardé dans le dos, vous aviez eu une amitié exceptionnelle et puis du jour au lendemain, pouf, plus rien. Vous l'avez oublié et il est surtout sorti de votre cœur et généralement ça se fait d'une manière instantanée. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable aussi d'apporter plein d'autres changements dans votre vie. C'est une erreur monumentale et très répandue que de croire que le changement est dur, qu'il est difficile, qu'il prend du temps, c'est archi faux. You are a commander of your life. Ce que vous allez décider de faire de votre vie, vous allez absolument l'exécuter. Si vous décidez que ça va être dur, eh bien, votre vie elle sera dure. Si vous décidez que ça sera facile, eh bien, elle sera facile. J'ai vécu les deux, donc franchement, vous pouvez me croire. J'ai vécu la période où je disais que ma vie est un enfer et que je me demande pourquoi j'existe sur cette planète et tout ce que je fais, c'est de la merde. Et les gens que je rencontre, c'est de la merde. Et les événements que je vis, c'est de la merde. Et ben, ma vie, c'était un gros tas de merde. Vraiment, je vous invite à me croire parce que c'était la réalité. Et le jour où j'ai compris que tout ça, je l'ai mis en place et que je peux changer, ça m'a pris vraiment un événement très important qui était le décès d'une copine pour complètement basculer dans l'autre sens et ça marche. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour. On va parler de bisounours. Alors ça, c'est un monsieur qui labourait les champs et c'est un agriculteur et il a eu sa première, on va dire son premier fruit qui est sorti, c'était une mangue. Il était tellement heureux, il voulait la manger. Après, il a dit non, je vais la donner en cadeau à ma femme parce que c'est grâce à elle quand même que je trouve l'énergie de labourer les champs tous les jours. Elle prend soin de la maison, elle prend soin du petit, elle prend soin de moi. J'arrive, le repas est sur la table. En termes de gratitude, de remerciement et surtout parce que j'ai énormément d'amour pour elle, lui offrir cette belle mangue. Donc il l'a mise dans un torchon comme ça, il l'a bien caché au fond de son sac et en arrivant, qu'est-ce qui se passe? Il lui offre cette mangue. Elle était tellement heureuse parce que cette mangue était belle, elle était grosse, elle était magnifique, bien dorée et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a prise, elle l'a gardée, elle était tellement reconnaissante, elle lui a dit merci mais tu sais quoi, je vais la manger tout à l'heure. Maintenant on va déjeuner, je vais la prendre pour tout à l'heure. Je vais la laisser pour tout à l'heure. En fait, elle avait une autre idée en tête. Elle voulait absolument la garder pour son fils. Donc elle est allée la cacher au fin fond d'une marmite dans la cuisine, pareil, en rebouchant bien le couvercle. Et l'après-midi, quand son fils est arrivé, elle était tellement heureuse de pouvoir surprendre son fils et lui ramener cette mangue. Tiens mon chéri, ça c'est pour toi. C'est un petit cadeau, je te l'ai caché. Alors le petit garçon était tellement content. Gâteau, tu veux que je l'épluche? Tu veux la manger tout de suite? Il dit non, je vais la manger tout à l'heure. Merci maman. Il la prend, il la cache. Il se dit non, j'ai pas envie de la manger. En fait, j'ai envie de l'offrir à papa. Parce que c'est grâce à papa que je vais à l'école où je vais, c'est une très belle école, ça nous coûte de l'argent. Et papa, il travaille très dur pour nous rendre heureux et pour qu'on ne manque de rien. Donc en réalité, j'ai envie de lui offrir à lui. Et alors, le soir, la magie s'opéra. Pendant que tout le monde était à table, au moment du dessert, le petit garçon se lève et il dit à son papa, « Papa, papa, s'il te plaît, ferme les yeux, j'ai un petit cadeau pour toi. » Alors le père, il s'apprête au jeu, il ferme les yeux comme ça. Et à sa grande surprise, quand il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Oh, il voit la petite mangue et il a compris que c'était la sienne et qu'elle avait fait le tour. À la vue de la mangue, le père n'a rien dit, il a pris un couteau, il a épluché cette mangue et il l'a coupée à part équitable. Combien de fois, par cupidité, par égoïsme, par égocentrisme, on veut tout s'accaparer, on ne veut pas partager, on ne veut pas donner, on pense à soi en premier. Mais en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est la dynamique que vous mettez en place, c'est exactement la dynamique que vous récupérez. Vous voulez quelque chose dans votre vie, il faut donner l'exemple, il faut être le premier à donner. Regardez, ce papa, il a donné cette mangue, elle lui est revenue d'une manière indirecte. Et tout l'amour que vous donnez, je peux vous garantir qu'il revient aussi d'une manière indirecte. Et ce qui est fantastique et ce que vous devriez savoir, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de limite, on est un puits sans fond dans lequel on peut puiser énormément d'amour pour pouvoir l'offrir, le partager. Et vous imaginez quel bonheur ça fait de recevoir aussi, des fois pas par la même porte, vous pouvez donner de l'amour, je ne sais pas moi, à votre enfant, mais il ne vous le rend pas de la même manière, mais vous allez le recevoir de la part de votre époux ou de vos parents ou d'une amie ou de collaborateurs. Le monde va mal.
qu'à chaque fois que j'allume la télé, je vois que des horreurs, des vols, des viols, des tueries, des gilets jaunes, les gilets noirs, les gilets verts. Et je me disais, si tout le monde commençait juste à implémenter un petit peu d'amour pour lui-même, et c'est ce même amour le cultiver pour l'offrir en retour, le monde irait vraiment mieux. Moi, j'aimerais savoir, et j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous comptez laisser derrière vous? La fois dernière, j'étais à Paris et on faisait une petite balade avec maman dans les petits trains à Montmartre. Et en fait, on a écouté tout le long des chansons de Édith Piaf et des chansons de Charles Aznavour. Je dis, voilà, on est ce qu'on laisse derrière soi. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Posez-vous cette question, j'espère que vous allez revenir vers vous-même et vers moi en laissant des commentaires avec de très très belles réponses. C'était Nahid Rached pour 3 minutes pour changer de vie. Hada huwa, et l'ahfadkoum.